Good morning, on s'en va déjeuner. Ça c'est mon outfit du jour. J'ai reporté la même veste qu'hier, hein, parce qu'on n'a pas le temps de gaspiller les vêtements. So, aujourd'hui c'est jour 2 à Tio, les amis. Le spectacle de Usher était magnifique. Je me suis couchée à 2h du matin pour clôturer le vlog. Mais tout ça pour dire... Oh, we should bow this morning. So, tout ça pour dire que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le spectacle. Ça a valu le détour à Toronto, Burlington, parce qu'on a tout allé vraiment dans Burlington. Mais bon, c'est un bon une heure là. Je pensais pas que ça allait être aussi loin que ça. Je me disais, ben 60 minutes, c'est quoi? C'est Laval-Montréal, c'est l'équivalent. Et non, c'est beaucoup plus loin. Fait qu'on va chiller plus dans les environs de Burlington aujourd'hui. Puis on se va manger dans une place que ça s'appelle... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. En tout cas, on va vous montrer ça. On va aller déjeuner. Il est présentement 10h41. Ça va être comme un brunch là. Normalement en vacances, moi je mange environ seulement 2 fois par jour. Le brunch puis le souper. Fait que on va vous donner notre aussi après pour vous dire comment on a trouvé. Yes! Donc on mange à Benedict Eatery. Moi je vais prendre French Lover ici. 2 French toast, 3 œufs avec bacon, saucisse et des tomates tranchées. Et je vais aussi prendre un café latte. Oh, by the way, j'ai cassé 2 ongles hier en mettant mes tennis. Ça fait dur, hein, mon enfant? Je vais savourer mon café latte. Hein? Donc, mon plat ressemble à ça. J'ai réquisitionné des patates parce que j'ai envie d'être bien courée jusqu'au souper. Et pour monsieur, il a pris des bénédictines. Bon appétit, babe! Bon, on vient de terminer de manger. J'ai tout, presque tout dévoré, en fait. Il reste... un quart de French toast. Oh, mon chéri l'a mangé. Quelques tomates, quelques patates. Pour de vrai, c'est là que je me rends compte comment. Chez nous, on a de la très très bonne nourriture à Montréal. Des très bons déjeuners. Ici, c'est comme... ça passe. Je donne juste un 6 sur 10. Ça m'a rempli le bedon. Ça passe. C'est pas dégueu, mais c'est pas du ben et florentine, mettons. Genre. Mon chéri est allé aux toilettes. Il a dit que c'était tellement sale. Alors, je descends d'un point. Je mets la note de 5 sur 10 finalement pour le resto. Guys, il faut que je vous montre ce petit endroit. C'est tellement mignon. Le scenery is so, so cute. Comme on dirait un petit village. On dirait qu'on a un petit quartier là. Puis il y a plein de belles petites places. Puis regardez-moi cette petite shop pour un party privé. Regardez à l'intérieur. Oh my god, c'est tellement cute. Regardez ça, on dirait que c'est fait pour moi, genre cet endroit-là. Faut que je revienne ici. Ça me fait penser à l'atelier Marjorie. En tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment mignon. Burlington, si vous n'avez jamais été, venez visiter. Venez visiter, surtout mon hôtel, je recommande aussi l'hôtel The Pearl Hotel and Spa. À date, une nuit so far so good, malgré que les chambres sont un petit peu petites. On est dans le village... Square à 2 minutes, même pas 2 minutes à pied de l'hôtel. C'est vraiment cute. Bon, là je suis chez LCBO. J'hésite en prenant la tequila ou sinon, je sais pas, des petites bouteilles de vin comme ça. Je découpe en rabais de 10$. Sinon, je voulais de la tequila pour faire un mix margarita, eau de coco, lime, ou sinon, je pourrais faire aussi. Des cocktails orange, jus d'orange tequila, c'est très bon. Je buvais ça au Mexique. Ou sinon, ça c'est quoi? Gran Negro. Non. Ou sinon, je prends du vin, vraiment relax là. Quand je prends du vin, j'ai pas envie de boire quelque chose de fort. Ça c'est 12$. Non, je vais prendre ça. Je vais faire des cocktails. Ok. Matez-moi la vue, guys! Matez-moi la vue! C'est tellement beau! C'est encore plus beau de proche que de loin. Oh my god! Je vais aller tout au fond, là-bas. Puis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble là-bas. Ici, il y a du sable, donc c'est comme une petite plage. On peut venir exfolier nos talons de pied. On a une très belle journée. En plus, aujourd'hui,
Le soleil est là. Il va faire comme 24 degrés maximum. Demain, 26. Trop bien. L'eau a l'air tellement bleue. Oh, waouh. C'est trop beau. Encore une fois, la plage, qui est une très petite, petite section. Hein? Puis on voit que l'eau est bleue là. Oh, c'est magnifique. Magnifique. C'est exactement quelque chose comme ça que j'ai envie de faire en ce moment. Il fait tellement beau et chaud. Pas comme en Miami, mais un petit jet ski comme ça, ça serait donc bien pas plaisant, hein? À vous, oui. À tes souhaits. Guys, c'est tellement beau ici. Je prends tellement plein de photos. Le soleil est magnifique, la luminosité aussi. Je me demande qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces photos-là. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir mes photos parce que c'est sûr que je vais les poster. Instagram, Facebook, TikTok, toutes. Regardez-moi ça comment c'est beau, guys. Franchement, je sais que je me répète, mais ça mérite tellement d'être vu par plusieurs personnes. Si vous voulez venir faire un tour dans Burlington, c'est la place à venir. Le soleil plombe, c'est tellement joli pour faire des photos. Mes photos sont magnifiques, magnifiques. Pour une fois, je me dis, j'ai des photos, je ne vais pas hésiter à les poster là, sans filtre, sans rien là, parce que le soleil travaille avec moi aujourd'hui. La beauté de ce paysage aussi. C'est de toute beauté, yes. So guys, je voulais juste faire un petit tour rapidement pour vous montrer le gym. On va visiter aussi la piscine, à ce qui paraît, il y a une infinity pool. So, yeah, c'est vraiment nice, il y a personne qui s'entraîne. Il y a des serviettes, des verres d'eau, plein de machines. Ça donne le goût de s'entraîner, mais pour de vrai, je suis en vacances, j'ai la flemme. On va aller faire du scooter électrique en ce moment. Oh, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est par ici? Oh, le pool. Je sais pas s'il y a du monde, fait que je vais faire attention avant de filmer, là. Attendez. Oh ben, devinez quoi? Il y a personne. Wow! Ça sent le corps à peine, par contre, mais c'est beau, hein? J'ai envie de faire la sieste ici. Qu'est-ce que t'en penses? Allez mettre en maillot, là, après le scooter électrique. Puis après ça, venez s'installer ici. Dormir dans un truc comme ça là. Oh ouais. Qu'est-ce que ça sent trop le chlore. Oh wow. C'est trop joli. Ça a l'air quand même profond, hein. 1,19 mètres. Non, c'est pas trop profond. C'est pas trop profond. Allez pas dans les piscines, il y a des endroits plus profonds que d'autres. Ici, 1,05 mètres. Avec ça, ça devrait faire le massage à mon dos, là. Waouh. Ouais, c'est nice. J'aime bien. Il y a même des douches ici. Tu peux te laver directement ici. Hein? Waouh. On reviendra. Un petit verre d'eau rafraîchissant. Hein, si t'as soif. Bon guys, là maintenant on va aller faire du scooter électrique, puis on est arrivé devant la shop, on a réservé en ligne deux scooters, c'est 20$ chaque pour une heure de temps chaque, puis les personnes ne sont pas là, j'ai hâte qu'ils reviennent, il y a une petite pancarte qui dit de retour dans 5 minutes là, mais là, ils sont pas encore là, fait qu'on attend impatiemment, puis c'est ça, je vais mettre un petit minuteur sur ma montre, comme 25 minutes. Et comme ça, quand ça va sonner, je sais que ça va être presque le temps de retourner. Là où on était tout à l'heure, on va aller faire la bicyclette à côté du bord du lac Ontario, avec la belle vue, ça va être vraiment merveilleux. J'espère qu'ils vont revenir bientôt là. T'as trouvé de l'information? Bon, finalement, guys, on n'a pas pu faire le scooter électrique. On est arrivé là-bas après avoir réservé. Il n'y avait personne. On a dû demander un remboursement puis tout annuler. On a attendu 15-20 minutes. Fait que là, on se promène un petit peu à pied puis c'est ça. Je pense qu'après, on va rentrer se reposer. Peut-être à la piscine. On ne sait pas encore. On est en vacances, on profite. On s'amuse, on relaxe. Fait que, yeah, c'était tout pour la suite. Et matez-moi cette vue. Imagine, on aurait fait du scooter électrique ici, là. Ça aurait été tellement beau. À vous. Tout le long de la piste cyclable là-bas, là. Hey. Une des compagnies de ranchers
Mais au moins, ils vont rembourser. Fait que, en plus, il y avait un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone ne fonctionnait pas. Fait que, en tout cas, c'est pas grave. Pas comme si on n'avait jamais fait du scooter électrique de notre vie, là. De retour à l'hôtel pour la sieste de Pearl Hotel and Spa. C'est tellement douillet là-bas. Je recommande fois 1000. Que la préparation avant d'aller souper commence. Une bonne douche bien chaude pour commencer. On se va manger au Cherry. J'oublie toujours le nom. Je vais vous montrer, guys, un restaurant hautement gastronomique. Yes. Et j'ai amené des flats dans un sac que mon chéri tient parce que pour de vrai, ses talons sont difficiles à marcher avec. Comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de faire mon lip combo. Je me suis préparée super rapidement, mais j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Je vais faire mon lip combo dans tout. C'est ça le nom du restaurant, je me rappelais plus, mais c'est Cherry House. Le décor en avant est magnifique. Wow, c'est tellement classique, guys, ici. On est dans un booth privé. Là-bas aussi. Tout ça, c'est des booths privés. La lumière est tamisée. Pas beaucoup de musique. C'est très classique. On voit à peine. Donc, on commence avec une entrée de brie fondant. Bon appétit. Ils nous ont aussi amené du pain avec du beurre. Le beurre est un peu congelé, c'est dommage, mais bon. Bon, rapidement, guys, je voulais vous dire qu'on a fini de manger. Là, maintenant, on veut donner notre review finale. Chérie, il donne la note de 7 ou 7.5? 7. 7 sur 10 parce que, bon, son steak avait trop de gras. Il a été obligé de le mentionner. Finalement, ils ont enlevé le steak de la facture et en plus, c'était 150$ pour son steak. Fait que je suis quand même contente qu'ils nous ont bien comme rectifié la situation rapidement sans même rouspéter ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas proposé autre chose. Fait que là, lui, il a encore faim. Mais là, on va frapper un McDo ou je sais pas. On va aller chercher des snacks. Moi, mon carré d'agneau était délicieux. Pour moi, c'est la première fois que j'en mangeais. Je trouvais que ça manquait légèrement d'épices. Mais sinon, la sauce aux cerises était bonne. J'aurais voulu l'avoir à part, par contre. Fait que c'est ça qui clôture pas mal la journée 2 ou 3. La journée 2 du vlog à T.O., du vacation à T.O. On va aller au Walmart chercher quelques snacks pour plus tard. On va peut-être manger quelque chose. Ben lui, pas moi. Moi, je suis remplie. Puis après ça, ben, c'est ça là. On rentre à l'hôtel. Puis demain, on va essayer de profiter au maximum de l'hôtel. J'ai déjà demandé le late check-out. Je sais pas s'ils vont me laisser, mais bref. À suivre, faut abonnez-vous. Faut vous abonner et faut poser la cloche et laisser un commentaire, surtout pour m'aider à grandir ma chaîne avec l'algorithme. Puis aussi pour que vous puissiez voir les prochains épisodes qui vont sortir bientôt. So, merci d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!